Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors comme convenu, bien sûr, nous allons faire la suite et la fin du tuto où nous étions arrivés à ceci. Donc voilà, je vous le montre. J'espère que vous avez profité aussi de la première partie. Donc voilà, maintenant nous allons continuer bien sûr par rapport à tout ce qui est nuances, couleurs, voilà. Donc je vais d'abord supprimer ce calque ici au-dessus. Voilà, alors, vous voyez que j'ai renommé aussi tous les calques. C'est très important. Donc ici, je vais le supprimer, ce petit calque là. Alors, nous allons commencer ici par le château. Vous voyez que c'est intéressant de renommer chaque fois. Donc je clique bien dessus et je vais aller bien sûr dans les couleurs, teintes et saturations. Je vais, différemment par rapport aux autres fois, je vais les mettre à 60. Ouais, 61, 60, voilà, c'est bon. Je fais valider et je vais mettre ici aussi bien sûr les courbes, couleurs dans les courbes, et je vais mettre ici à la moitié, voilà, et je vais augmenter un peu les nuances claires, voilà, je fais valider. Alors, qu'allons-nous faire aussi bien sûr sur le fond? Nous allons jouer sur le fond ici, c'est-à-dire nous prenons ici le fond, voilà, et nous allons jouer aussi bien sûr avec les courbes. Nous avons déjà mis ici en saturation, donc allons jouer avec les courbes, et je vais mettre ici, augmenter à 1, voilà, vous voyez juste un carré, et je vais augmenter ici un petit peu les tons clairs. Oui, je peux augmenter, vous voyez, le reflet dans l'eau. Donc je mets juste ici un peu la moitié. Voilà. Ça me plaît. Je fais valider. Je peux même peut-être encore augmenter ici. Je regarde. Ouais, c'est pas mal. Augmenter un peu plus fort. Voilà. Comme ceci. Je fais valider. Alors. Nous allons commencer aussi, bien sûr. Vous voyez que ici la tête qui est partie dans l'eau. Donc, il faut pouvoir redonner une couleur à cela. Donc, allons chercher pour la tête. Venons bien sur notre calque tête. Allons sélectionner avec l'outil de sélection rectangulaire. Vous voyez que j'ai ici maintenant, j'ai décoché adoucir les bords pour venir juste contre. Vous voyez, si je vais agrandir, voilà. Je vais faire une sélection, je prends tout ce qui est partie tête en dessous, et je vais venir avec ma sélection supérieure juste au bord, vous voyez ici du fond marin. Voilà, je suis bien sélectionné sur ma tête. Là je vais faire CTRL X, c'est-à-dire dans édition, c'est-à-dire couper, vous voyez, CTRL X. Je fais CTRL X, vous voyez, ça disparaît. Mais toujours mis en mémoire. Donc là, je peux faire CTRL V, coller. Voilà, j'ai une sélection flottante, j'attribue un calque. Et je vais renommer tête fond. Voilà, une chose. Oups, pas le 4. Voilà, Enter. Bien sûr, calque aux dimensions de l'image. Je vais revenir sur mon image proportionnellement à la fenêtre. Voilà, et je vais bien sûr colorier ce fond. Alors, je vais aller dans couleur, je vais aller dans colorier. Oui, ça se colorie d'office. Mais, bien sûr, j'ai un calque, donc je peux varier encore par la suite, ou bien le déplacer. Bon, voilà, c'est pour ça que j'ai bien séparé, et que j'ai coupé le calque en fait. Donc là, j'avais déjà préparé une couleur. Qui est ici, visage, vous voyez. Donc vous pouvez prendre ici exemple des paramètres, vous voyez. Je vous laisse regarder à votre aise. Vous pouvez faire une pause sur l'image, donc. Voilà. Je vais faire de même pour le rocher. Donc je vais aller dans le rocher, qui est ici. C'est toujours intéressant de renommer les calques. Je vais aussi aller dans les couleurs. Je vais aller dans colorier.
Je vais aller. Je vais reprendre la même valeur en fait. Vous voyez, je fais valider. Là, je peux jouer aussi, bien sûr, avec les courbes. Je vais dans couleur. Je vais dans courbe. Je vais la pousser. Si je regarde ici. Ah, hein, oui. Je vais donner aussi de la clarté. Oui, je donne une nuance de clair dedans. Vous voyez ici. Je fais valider. Bien sûr, ça va encore changer par la suite. Donc, n'ayez crainte. Alors, que vais-je faire de cela? Mais je vais justement ici aller sur la tête du fond. Vous voyez. Je vais prendre une gomme. Je vais prendre une gomme tendre. Et je vais prendre une opacité basse. Voilà, disons que je vais regarder ceci. Je regarde bien la tête. La tête, elle est ici. Je dépasse. Vous voyez, je vois ce qui me reste comme texture du rocher en dessous. Donc je vois que je peux venir gommer. J'agrandis un peu ma gomme. Je vais venir tout doucement gommer, vous voyez. Très léger. Je regarde toujours si j'ai de la matière derrière. Oui, ça va. Oui, vous pouvez doucement venir mourir. De toute façon, ça se verra moins par la suite. Donc, voilà une chose de faite aussi. Alors, que vais-je encore faire? Mais je vais encore couper une partie de la tête. Donc, je vais fermer ici la tête du fond. Je reviens sur mon calque tête. Je vais agrandir mon image. Je vais reprendre une sélection. Voilà, je vais revenir sur ma tête ici. Voilà. Je dépasse, je regarde où je peux venir. Disons que si je viens ici. Ouais, ça me plaît. Je fais un clic à l'intérieur. Je vais refaire de nouveau la même chose. Je vais faire CTRL X, c'est-à-dire couper. Et CTRL V. C'est une sélection flottante. J'attribue un calque que je vais renommer. Et là, je vais mettre tête vague. Oups. Tête. Non, c'est pas celui-là. Je pense que. Je ne sais plus si je l'ai maintenant, en fait. Je crois qu'il est parti. Attendez, je vais refaire CTRL Z parce que. Alors, ma sélection flottante est là. C'est bien celle-là. Oui, j'ai attribué un calque. Je regarde. Oui, c'est bien celle-là. Tête. Oh là là. Tête. Vague. Quand on est en enregistrement, c'est pas toujours facile. Voilà. Je vais bien sûr mettre calque aux dimensions de l'image. Je vais remettre mon image par rapport à sa fenêtre. Je vais descendre ce calque juste en dessous des vagues. Ici, j'ai bien la tête fond. Vous voyez, elle est toujours là. Donc ce calque ici vague, je vais le descendre. Je vais le mettre en arrière-plan et ça disparaît. C'est pas grave. Vous allez me dire pourquoi j'ai fait ceci. Vous allez comprendre. Vous voyez que ici, le bas de la tête est très net par rapport aux vagues. Donc on va donner une petite nuance de vague justement là-dedans, c'est-à-dire en sachant que le calque que je viens de copier se trouve derrière mes vagues. Si je suis bien sur mon calque vague et que je fais. Ah non, je vais d'abord ici faire sur le calque de la tête vague, je vais faire alpha avec sélection. Vous voyez qu'il me met bien ici la sélection par rapport à la tête. Je retourne sur l'océan. Vous voyez. Là, je vais prendre une gomme. Je vais aller chercher dans les gommes une texture qui est les vagues. Voilà. Donc je vais prendre ici, pour les vagues, je vais prendre une taille de. Non, je vais remettre l'opacité à 100%. Et je vais prendre une taille de 90.
voilà, même celle-ci. Et je vais venir gommer une partie sur les vagues. Vous voyez? Je fais tous les petits clics. Je peux dépasser ma sélection. Ça ne dépassera pas puisque c'est justement une sélection qui a été faite. Vous voyez? Sinon, je gommerai bien sûr des vagues en dehors de ma sélection du personnage. Donc, c'est pas le but. Je regarde un peu, voilà. De toute façon, on va encore changer cela par la suite. Je vais remettre bien sûr mon calque aux dimensions de la fenêtre. Je regarde. Je peux faire sélection aucune. Voilà, je regarde. Que vais-je faire maintenant? Mais je vais aller chercher justement des vagues. Donc je vais prendre ici. Je vais vous montrer l'image en question où j'ai été faire un détourage des vagues, c'est-à-dire par rapport au tuto sur la luminosité. Donc je vous mettrai bien sûr en description les images. Voilà, pour ceux qui veulent le faire avec Luminosity, voilà, c'est bien, parce que si je vous donne le calque qui est ceci, voilà, qui est déjà détouré, je le mettrai aussi, voilà, pour ceux qui n'y arriveront pas, mais je ne vous rends pas service en vous mettant, bien sûr, le calque déjà détouré. Maintenant, voilà, c'est un plus, mais pour ceux qui n'y arrivent pas, mais sinon, je vous mettrai bien sûr ici dans le tuto, en annotation, comment y arriver, comment voir, comment nous avons procédé pour ce filtre luminosity. Donc ici, je vais prendre édition, copier. Je retourne dans mon calque. Je vais au-dessus. Et je fais CTRL-V. Sélection flottante. J'attribue un calque. Et je vais mettre vague. Là, 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 quand on est en... C'est pas toujours facile. Vague. Voilà, je vais le positionner. Vous voyez, je vais juste prendre ici, sur le bord du fond marin et de l'océan. Je regarde. Bien sûr, je dois agrandir mon image. Je vais dans son calque. Voilà, mise à l'échelle. Je regarde bien que la chaîne est ouverte. Je vais jouer avec les proportions en largeur. Voilà, je vais arriver jusque là. Je suis satisfait. Je fais mise à l'échelle. Par contre, je vais jouer maintenant avec une rotation. Donc, je vais prendre ici l'outil de rotation. Je clique à l'intérieur. Je prends mon point d'accroche et je vais le mettre dans le coin inférieur gauche pour pouvoir jouer juste sur sa rotation. Vous voyez. Donc je regarde plus ou moins si je suis satisfait comme ceci. De toute façon, on pourra encore y remédier. Je fais une rotation. Voilà. Je vais bien sûr déplacer ce petit calque. Oui, pour venir masquer le bord. Je regarde encore. Ouais, ça m'a l'air sympa. Ça m'a l'air sympa. Voilà. Je peux même peut-être le déplacer un peu plus vers la gauche. Voilà. Je vais l'agrandir. Oui, prenez bien votre temps. Voilà. Je fais mise à l'échelle. Bien sûr. Calque aux dimensions de l'image. Vous voyez pourquoi j'ai gommé le style. Vous voyez, donner un effet de vague. Vous pouvez encore gommer ici les vagues si vous voulez. Hein. Si vous revenez ici, vous allez dans la gomme. Vous voyez, je suis toujours sur le même principe. Vous voyez. Comme vous voulez. Hein. Voilà, ce sont des exemples. Voilà qui est fait. Qu'allons-nous faire maintenant? Mais je vais aller chercher. Vous voyez qu'il y a dans le fond marin, ici, il y a toutes des petites bulles. Donc, on va aller chercher ces petites bulles.
Voilà, je vais ouvrir mon image. Celle-ci, j'ai plus besoin. Celle-ci, j'ai plus besoin. Je vous mettrai bien sûr toutes les images dans les descriptions. Alors, bien sûr, édition, copier. Je retourne dans mon calque. Je vais aller au-dessus pour qu'il vienne directement ici en premier plan. Je fais CTRL-V. Voilà. J'attribue à calque. Bien sûr, on s'aperçoit que l'image est beaucoup trop grande. Donc, je prends l'outil mise à l'échelle. Je clique, je regarde les proportions, je ferme. Je déplace. Je regarde encore. Place. Alors maintenant je vais jouer bien sûr avec les proportions. Je vais descendre mon calque. Vous voyez ici. Je vais d'abord enlever les vagues. Voilà, comme ça je vois exactement où j'en suis. Je vais ouvrir. Voilà. Alors que vais-je faire? Mais bien sûr, je vais diminuer mon image. Voilà, et je vais prendre ici, je vais prendre la dimension bien sûr, mais je vais regarder l'opacité, comme ça je vois légèrement à travers, pour garder les petites gouttes en fait. Je vais prendre ici, oui, je prends vraiment les petites gouttes, je vais faire mise à l'échelle, voilà, je vais regarder ce qui se passe exactement. Voilà, bien sûr, je vais jouer avec les modes. Alors, les modes, ben, ça va être le mode addition. Attendez, je vais prendre ici. Là, c'est bon. Je vais prendre une opacité de... Bon, je vais regarder si je vais voir si je vais garder l'opacité. Je vais la mettre à 40. Je vais comprendre pourquoi. Et je vais aller dans les modes et je vais faire, si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est addition. Voilà, je ferme. Vous voyez ? Là, je vais bien sûr mettre calque aux dimensions de l'image. Vous voyez, si j'augmente un peu son opacité, vous voyez, c'est pour ça que je diminue. Je vais la mettre à 40, voilà. Là, bien sûr, je vais prendre une gomme. Voilà, je vais prendre ici une gomme toujours tendre. Allez, viens ici. Voilà, je vais prendre la 0,50. Oui, c'est très bon. Je laisse une opacité à 100%. Bien sûr, je vais augmenter sa taille. Je vais juste enlever. Oui, d'abord tout ce qui est le haut. On est là pour s'amuser. Alors j'enlève. Allez, allez, allez. Faut pas être net, hein, voyez, vous y allez, vous laissez comme si c'était. Les bulles qui remontent, voyez, légèrement. J'enlève les. Vous amuser, c'est le but. Je peux remettre bien sûr mes vagues. Voilà, que vais-je encore faire de cela? Mais vous voyez que j'ai encore plein d'éléments. Je vais aller chercher encore cette image qui est celle-ci, où bien sûr j'ai fait un détourage des chutes. Bien sûr, je vous mettrai les images comme telles, ou bien sûr pour ceux qui n'y arriveront pas, déjà détourés. Donc, je vais prendre ceci qui a déjà été fait. Je vais faire édition, copier. Je vais aller dans mon projet. Je vais aller au-dessus et je vais faire CTRL-V. Sélection flottante, j'attribue un calque. On sait que ce sont les chutes. De toute façon, je vais supprimer une partie qui est la partie gauche que je n'ai pas besoin. Donc, pour ce faire, je vais faire une sélection. Voilà, je fais ceci, je fais supprimer de mon clavier. Voilà une chose de faite, sélection aucune.
Alors je regarde. Oui, je vois mes chutes. Alors j'agrandis un peu mon image. Je vois des parties que je n'ai pas besoin. Vous voyez, c'est parti ici, donc je vais prendre ma gomme. Je regarde même pas si c'était 100%. Voilà, ok, une taille, je regarde. Oui, je peux gommer ceci, je n'ai pas besoin. Ceci, je n'ai pas besoin non plus. Ceci, je n'ai pas besoin non plus. Et je vais couper ces images. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais prendre la partie gauche que je sélectionne avec mon outil rectangulaire. Je fais un clic. Bien sûr, je vous l'ai expliqué. CTRL X pour... j'oublie, je n'ai plus parlé. Couper, pardon. Donc je fais CTRL X. Attendez, parce que je dois sortir de ceci. Ah là là, là là. CTRL X, voilà. Et CTRL V. Donc j'attribue un calque que je vais renommer chute. Oh là 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 là. Chute. C'est pas possible hein, quand on est. Chute. Gauche. Voilà. Je reprends mon calque ici. Je vais sélectionner la chute droite que je vais aussi sélectionner ici. Celle-là, je peux prendre, je peux la fermer. Ça, vous le voyez. Donc, je sélectionne celle-ci. Je fais CTRL X. Et je fais CTRL V. Sélection flottante, j'attribue un calque que je vais renommer. J'espère que je vais y arriver. Chute droite. Voilà. Donc, je calque ici, puisque j'ai supprimé. Enfin, j'ai simplement, je n'ai plus besoin. Donc, je décoche. Je peux réactiver ceci. Voilà. Alors, maintenant, je vais d'abord fermer l'œil de ma chute de droite. Je vais prendre celle de gauche. Je vais la positionner avec l'outil. Oui, donc, je monte ici. Oui, je peux venir ici, là. Bien sûr, je vais jouer avec ces dimensions. Voilà. Je laisse la chaîne ouverte. Je descends. Voilà, je remonte vers le haut. Oui, je viens rejoindre ici. Je peux encore remonter un peu. Voilà, je fais mise à l'échelle. Bien sûr, je peux jouer avec, comment dire, avec les opacités. Hein. Donc, si je vais prendre par exemple ici, je vais la prendre à 80, par exemple, 85. Oui, c'est bien. Voilà, je peux mettre bien sûr calque aux dimensions de l'image. Je vais gommer légèrement la partie supérieure. Je diminue ma gomme. Je viens gommer légèrement pour aller rejoindre l'autre, vous voyez, comme ceci. Je vais activer la chute droite. Je vais la déplacer, bien sûr. Donc, je regarde. Oups, je ne suis pas sur le bon calque. Chute droite. Voilà. Je déplace. Je regarde ce que je vais faire. Vous voyez, je vais le mettre bien ici. Ouais. Je vais aussi, bien sûr, jouer avec ces dimensions. Vous voyez qu'on peut vraiment bien s'amuser. Hein. Je descends. Je vais rejoindre ceci. Je remonte le haut. Voilà, je remonte encore un peu le haut. Voilà. Je fais mise à l'échelle. Bien sûr, je mets calque aux dimensions de l'image. Je vais aussi gommer, bien sûr, ce que je n'ai pas besoin. Donc c'est cette partie ici, voyez. Et comment ? Vous pouvez aussi diminuer son opacité, si vous voulez. Voilà. Je reviens en arrière. Voyez, on commence tout doucement à y voir clair, c'est pas fini. Nous allons encore aller chercher des images. Qui est
ma petite baleine. Alors, bien sûr, j'ai détouré. Donc, je vais aller chercher mon petit chemin qui est ici la baleine, vous voyez. Donc, je fais ouvrir. Je donne sa sélection. Voilà. Je fais CTRL-C. Je fais copier. Alors, je vais aller ici dans mon projet. Je suis bien ici. Je reviens dans mes calques. Je fais CTRL-V. Voilà. J'attribue à calque que je vais renommer baleine. Voilà, je vais la monter en premier plan. Bien sûr, on s'aperçoit que la taille n'est pas bonne. Alors, on va bien sûr la mettre à dimension. Je vais la mettre ici. Je ferme la chaîne. Je vais la mettre à 490. Voilà, mise à l'échelle. Je vais la déplacer. Je vais la mettre ici, par exemple. Regarde, de toute façon, on pourra encore la déplacer par la suite. Bien sûr, je vais jouer avec ces couleurs. Je vais simplement aller dans les courbes. Je vais aller d'abord mettre calque aux dimensions de l'image. Voilà. Je vais aller dans les courbes. Et je vais mettre ici, je pense que je vais faire... Alors, moitié, moitié, je pense. Si je fais ceci. Ouais. Et un peu augmenter la luminosité. Voilà qui est fait. Je fais valider. Alors, allons chercher. Je vais d'abord créer un calque en transparence. Voilà. Je vais aller chercher une brosse. Je vous mettrai bien sûr le ici en fin de vidéo la vignette pour aller voir comment aller télécharger les brosses. De vagues en fait, parce que c'est très important d'aller vous en rendre compte. Donc je vais prendre ici une brosse qui est je pense que c'est là, oui, je pense que c'est celle là attendez, la 8, oui, je pense la 87, ouais, la Water 873, oui. Je vais prendre, bien sûr, petite brosse. Et je vais changer, bien sûr, sa dimension. Sa dimension, je pense que je vais la mettre à 330, 335, un truc comme ça. Ou 337, c'est bien. Donc, je suis bien sur une couleur blanche. J'ai bien un calque en transparence. Je vais faire un test. Oui, je fais ceci. Je suis satisfait. Je vais prendre une autre brosse. Qui est la 06. Donc, je vais prendre une taille. Oui, elle est beaucoup trop grande. Je vais prendre à 400. Si je viens ici à côté, je regarde. Donc, je peux faire un CTRL-Z. On change de place. On la met plus haut. Chaque fois des tests. Hein. Ouais, vous pouvez faire ceci, par exemple. Je suis satisfait. Que puis-je encore faire? Donc, je vais aller chercher, bien sûr, des images. Je vais aller chercher ici cette image-ci. Alors, bien sûr, je vais faire édition, copier. Voilà. Je retourne. J'ai fait copier. Je ne veux pas ou quoi? Ah là là. Ça bloque légèrement là. Je vous reprendrai après, bien sûr. Ah, ça va. Donc, j'ai bien repris. Copier dans presse-papier. Désolé, hein, mais des petits soucis à l'enregistrement. Alors, CTRL-V. Voilà, j'ai une sélection flottante. Bien sûr, je vais tourner mon image. L'outil de rotation. Je vais la mettre comme ceci. Voilà. Je fais rotation. Alors, je vais prendre une autre taille, bien sûr. Je vais agrandir cette image. Ferme la taille. Je vais la mettre à 600. Voilà.
mise à l'échelle. Je vais la positionner, bien sûr, dans le coin. Je regarde comme ceci. Bien sûr, nous allons changer les modes. Donc ici le mode, je vais d'abord mettre ici calque aux dimensions de l'image. Et je vais jouer avec le mode écran. Vous voyez, bien sûr, on va jouer à son flou. Donc je vais aller filtre, je vais aller dans flou, flou gaussien. On augmente son flou. Voilà. Je fais valider. Allons chercher encore une image. Qui est? Où est-ce qu'elle est? Bien, j'aurais perdu une image. Je vais aller voir où se trouve-t-elle. Désolé, c'est bizarre qu'elle est partie. Alors, c'est en cours. Et je vais prendre, où est-ce qu'elle est? Voilà, c'est celle-ci. Et je vais modifier avec GIMP. Voilà. Donc elle va s'ouvrir. Voilà qui est là. Alors, je vais aller bien sûr ici dans l'outil de sélection. Vous voyez ici que l'outil de sélection contiguë. Je clique dessus. J'ai mis un seuil de 20 pour venir bien s'appliquer contre. Vous voyez, si je fais une sélection, vous voyez. Donc je suis plus ou moins satisfait. Je peux faire supprimer de mon clavier. Voilà, je regarde. Sélection aucune. Oui, ça me satisfait. Je clique ici aussi à l'intérieur. Je fais bon. Sélection aucune. CTRL-C. Voilà, je fais copier. Je retourne dans mon projet. Je fais CTRL-V. Sélection flottante, bien sûr. J'attribue un calque. Je vais descendre mon personnage. Voilà, bien sûr, on va jouer avec ses dimensions. On regarde, on a bien fermé la petite chaîne. Vous mettez bien sûr la taille que vous désirez. Mise à l'échelle. Bien sûr, je vais faire son petit objet de rotation. Voilà. Je vais le déplacer. Comme ceci, par exemple. Je vais jouer, bien sûr, avec ses couleurs. Donc, je vais aller dans les niveaux. Et je vais augmenter. Vous voyez? Je l'assombris. Je fais valider. Bien sûr, je fais plongeur ici. Plongeur. Et que ça demande pas mal de travail. Calque aux dimensions de l'image. Que vais-je encore faire? Je vais aller chercher une image qui est celle-ci. Je fais CTRL-C. Je retourne dans mon projet. Je suis toujours en premier plan. CTRL-V. J'attribue un calque. Voilà, je vais sélectionner ce que je garde. Donc je vais aller dans l'outil de sélection rectangulaire. Je fais une sélection. Je vais prendre ici juste le bord noir. Je ne prends pas le quadrillé. Je ne prends pas la partie noire. Et je ne prends pas la partie quadrillé en dessous. Vous voyez, donc je fais juste un clic. Je fais sélection inversée pour supprimer tout ce qui est en extérieur. Voilà qui est fait. Je fais sélection aucune. Vous voyez que mon canevas, il est plus grand que mon image. Donc je vais attribuer le canevas à la taille de mon image. Pour ce faire, je vais dans le calque et je vais rogner selon le contenu. Vous voyez, mon canevas se met bien sûr à la taille de mon image. Je vais faire un retournement de cette image en horizontale. Je fais un clic. Je vais aller maintenant, bien sûr, repositionner cette image. Je clique dessus. J'ouvre la petite chaîne pour jouer avec les proportions. Voilà. Je viens ici. Je viens ici. Je viens ici. Je viens ici. Je ne fais une mise à l'échelle. Et bien sûr, je vais aller jouer avec les modes.
lumière douce, vous voyez nettement la différence, calque aux dimensions de l'image. Donc vous voyez, si j'ai mon projet, vous voyez, on arrive tout doucement. Donc vous allez me dire, oui, mais c'est un peu plus brunâtre. Oui, justement, c'est pas trop compliqué. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, il ne faut pas oublier, c'est que nous avons, vous voyez qu'ici, par exemple, vous voyez que c'est trop brun. Vous allez sur le calque de votre tête, vous voyez qui est celle-ci. Vous pouvez aller dans les couleurs. Vous pouvez aller jouer avec le chroma. Simplement jouer doucement, vous descendez le chroma. Vous voyez, vous avez atténué. Pas oublier que vous faites valider, mais vous avez la petite partie que vous aviez gommée par rapport aux vagues. Donc, il faut aller le rechercher. Donc, c'est la tête vague. Je clique ici. C'est bien celui-ci, vous voyez, qui disparaît. Là, je vais aller dans les filtres et je vais répéter, pardon, teinte chroma. Donc, il va aller le répéter. Vous voyez. Alors, que puis-je encore faire? Mais bien sûr, je peux aller chercher un calque. Donc, que je mets en transparence. Voilà. Que vais-je faire de ce calque? Mais je vais le mettre, bien sûr, en lumière douce. Brante. Je vais mettre une opacité à 25. Voilà. Que vais-je faire de ce calque? Je vais simplement le colorier. Donc je vais aller chercher une couleur que nous avions travaillée auparavant. Donc je vais valider. Et je vais la peindre avec les paramètres que j'ai donnés. Vous voyez. C'est là que ça vous permet justement d'aller rechercher des tons gris. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Faites-en bon usage, amusez-vous. Vous voyez, si maintenant aussi, par rapport à ce que vous venez de créer, vous avez ici, c'est pour ça que c'est toujours très intéressant de renommer ces calques. Vous voyez le rocher ici. Donc vous pouvez cliquer dessus et par exemple aller de nouveau dans les couleurs, aller dans les courbes par exemple. Vous pouvez encore, bien sûr, l'assombrir, vous voyez. C'est pour ça que je dis, amusez-vous, gardez vos valeurs, renommez bien vos calques, voyez votre plongeur, vous pouvez aussi encore jouer sur ces nuances. Voilà, amusez-vous, un grand merci de votre écoute, j'espère que ce tuto vous a plu, et bien sûr, à très bientôt pour un prochain tuto. Merci à vous.